Que Dieu n'a pas changé. Because God hasn't changed. Sa parole, elle est éternelle. And His word is eternal. C'est pour cela que nous voulons encore remercier Jésus. That is why we just want to thank Jesus Christ for this day. Est-ce que tu peux saluer celui à côté de toi? Can you greet your neighbor? Et lui souhaiter la bienvenue. And wish him welcome. Aujourd'hui, today, c'est la Pentecôte. It's the Pentecost. Donc, à partir du moment où, so from the moment that, c'est un jour spécial. It's a special day. C'est que je m'attends à quelque chose de spécial. So I'm also expecting something special to happen. Est-ce que tu t'attends à quelque chose de spécial? Were you expecting something special to happen? Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque Me, chose de spécial. I'm convinced that there is something special that is coming. Parce que Jésus n'a jamais changé. Because Jesus hasn't changed. Il est trop spécial. He's so special. Tout ce qu'il fait est spécial. Everything he does is special. Voilà, c'est sa marque déposée. This is brand. Et donc, une fois que nous sommes dans sa présence, so when we are in his presence, surtout le jour de la Pentecôte, especially the day of Pentecost, il ne s'amuse pas. He doesn't play off. Il vient pour équiper son église. He comes to equip his church. Il vient pour mettre le feu dans son église. To put the fire in the church. Et donc pour cela, so that, je voudrais partager avec vous, I want to share with you, quelques passages, some verses de la Bible, of the Bible. Et à partir de là, and from that, on va prier. We may pray. Père de gloire, Father of glory, Dieu éternel, God eternal, je veux recommander entre tes mains, I want to submit into your holy hands, maintenant ta parole, your word, soit au devant de tout ce qui sera fait, be before that everything that's going to happen, soit au devant de tout ce qui sera dit, be at the front of everything that's going to be said, glorifie-toi, glorify yourself, dans le nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Seigneur, Lord, que je sois effacé. Let me be erased. Que ce soit toi maintenant. And you qui take the control de tout ce qui sera fait. And take the front of everything. La gloire de ton Saint-Nom. For the glory of your holy name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons prié. We prayed. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Je veux partager avec vous. I want to share something with you. Je pourrais dire le mystère de l'onction. The mystery of anointing. Puisqu'aujourd'hui c'est la Pentecôte, yeah, on va prendre le livre de 1 Samuel chapitre 9. We're going to take the book of 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel. 1 Samuel chapter 9. Chapitre 9. 1 Samuel chapter 9. Et on va lire le verset 1 à 3. Il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afia, fils d'un Benjamite, c'était un homme puissant et important. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, and the son of Bekorath, the son of Alphia, and Benjamite, a mighty man of power. Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite et beau plus qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. And he had a son whose name was Saul, and a choice young man, and a goodly, and there was not among the children of Israel, a godlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than any other people. Les années de Kish, père de Saül, s'égarèrent, et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânes. And the asses of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to Saul, his son, take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses. Gloire à Dieu. And glory to God. Je veux m'arrêter là. I'm going to stop here. La Bible me parle d'un homme. The Bible talks about a man. Cet homme, c'est Saül. And that man was Saul. La Bible me dit qu'il était arrivé à un moment donné. The Bible says that there was a time où Samuel, where Samuel commençait à diriger la nation, start to lead the nation à travers ses fils. Through his sons. Ils sont les juges. They were judges. Parce qu'à ce temps, il n'y avait pas de roi. Because that time there was no king. Et la Bible dit, and the Bible says, que le peuple a réclamé un roi. The people claim a king. Ils ont dit, and they say, on veut un roi. We want a king.
Ça déplut à Samuel. And Samuel didn't like it. Parce qu'en général, le roi, c'est Dieu qui le choisit. Normally, the king, God has to choose the king. Mais puisque les hommes voulaient un roi. But because men wanted king. C'est alors que Dieu a dit, bon voilà, comme ils veulent un roi. And that is why God said, okay. Ils n'ont qu'à choisir quelqu'un. Because they want a king. Et let them choose a man. And that man va maintenant être roi. Will become a king. Et tu vas oindre cette personne. And you will anoint that man. Bien-aimé, brethren, on va parler de deux hommes. Let's talk about two men. On va parler de Saül et on va parler de David. We're going to talk about Saül and Saul and David. La Bible dit, the Bible says, que les ânesses du père de Saül, so that the ânesses of the father of Saul, se sont perdues, were lost. Les ânesses du père de Saül. Then, I will say donkeys, isn't it? Yeah. The donkeys of the of Saul's father, se sont perdus. Were lost. Bien-aimé, on comprend déjà une grande différence. Brethren, we can understand that a big difference entre between David. David. La Bible dit que David. The Bible says David. Il prenait soin des brebis de son père. He was taking care of the his father's sheep. Voyez-vous, Saül est le choix de l'homme. Saül et Saul was the choice of men. Mais David est le choix de Dieu. But David was the choice of God. Vous savez, l'onction, you know, anointing, dépend de quel choix sur lequel ça t'a été donné. You know, anointing depends on what basis it has been given to you. Je vais vous parler des secrets des prophètes qui sont très dangereux. Let me tell you about the secret of prophets. They are very dangerous. Regardez bien. See. Les hommes disent, on veut cet homme. People say, we want that man. Dieu dit, parce qu'ils ont dit ça. God said, because they say that. Okay. Okay. Il a encore devenu roi. This man can become king. Mais Dieu n'était même pas dans cette affaire. But God wasn't in his business. Ça veut dire, which means, il y a des choses qu'on peut faire. There are things that we can do. Dieu peut ne pas être dedans. And God may not be in. Mais Dieu dit, and God said, parce que vous voulez. Because you want. Vous voulez un roi. You want a king. Je vous le donne. I will give it to you. Choisissez. Choose. Ça veut dire, which means, que on peut aujourd'hui, sometime we can, aller à l'école biblique, we can go to Bible school, sortir comme pasteur, become a pastor, mais tu n'es pas le choix de but Dieu. But you are not the choice of God. Est-ce que vous me suivez bien? Are you grabbing me properly? Tu peux aujourd'hui, you can today, avoir une connaissance, have the knowledge, tu peux être le choix des hommes, and you can be the choice of men. On peut te pousser à rentrer à l'école biblique, and they can push you to go into Bible school. On peut dire aujourd'hui tu es un homme de Dieu, and you can say that you are a man of God, mais tu n'es pas encore le choix de Dieu. But you are not the choice of God. Yet. Tu es le choix des hommes. You are the choice of men. Et c'est là on voit la différence. That's where we see the difference. La Bible me dit, and the Bible says, que lorsque, when, ils ont choisi Saül, they have chosen Saul, Dieu n'était pas content. God wasn't happy. Samuel le prophète n'était pas content. Samuel the prophet wasn't happy. Dieu dit bon. And God said, yeah. Il faut le oindre. Anoint him. Oindre. Anoint him. Afin que, so that, il serve comme roi. He would serve as a king. Bien aimé. Brethren, c'est là vous allez voir, now that's what you're going to see, que les prophètes sont dangereux. The prophets are very dangerous. Très dangereux. Very dangerous. Dans le verset 8. And in the verse 8. Chapitre 8. Chapitre 8. Chapter 8. On va lire. Let's read. Le verset 5. Il lui dit, voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous pour nous juger un roi comme en toutes les nations. According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even unto this day, wherein they have forsaken me and served other gods, so do they also unto thee. Verset 6. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger, et Samuel pria l'Éternel. But the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us, and Samuel prayed unto the Lord. C'est ça, verset 6. Gloire à Dieu. Glory to God. Donc,
Je veux d'abord que vous compreniez bien. So you, I want you to understand properly. Ce qui va se passer. What's going to happen? Un prophète. A prophet. Dans une nation. In a nation. Qui va oindre deux rois. Is going to anoint two kings. Même période. In the same period. C'est la seule fois que ça s'est passé en Israël. Is the first thing. Is the first time that this happened. Deux rois dans une même période. Two kings in the same period. La dernière fois je disais. And last time I was talking. Ça me rappelle un peu la Côte d'Ivoire. It reminds me. Deux présidents dans une même période. Two presidents in the same period. Pour cette situation. For this situation. Cet homme qu'on appelle Saül. This man that they called Saul. C'est le choix de l'homme. Was the choice of man. Dieu m'a dit bon. And God says. Je ne suis pas content. I'm not happy. Parce qu'ils m'ont pas laissé faire moi-même mon choix. Because they haven't let me did my own mais choice. Mais parce que l'homme veut. Because man wants. Je leur donnerai un roi. I will give them a king. Qui va les juger. That will judge them. Bon. Also, Saül, Saul, Samuel, oint-le. Anointed. C'est là, ça commence à être compliqué. That's it's going to be complicated. Il y a un mystère au niveau de l'onction. Tell somebody there's a mystery at the level of anointing. Regardez ce que la Bible va nous enseigner. Now listen what the Bible is going to teach us. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapter 10, le verset 1, verse 1, vous allez voir ce qui va se passer. You're going to see what's going to happen. Vous savez, les prophètes comprennent les mystères. You know, the prophet understood the mystery. Ils comprennent les mystères. They understood the oracles. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être oints. You know, there are people that can be anointed. Mais leur onction meurt. But their anointing will be died. Il y a des autres qui peuvent être oints. And there are some that anointed. L'onction ne peut plus mourir. And the anointing can never be. Tout dépend de la base. Everything depends on the basis. Regardez bien. Listen. Dans le verset 1. In the verse 1. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, is not because the Lord has anointed thee to be captain over his inheritance. Donc vous comprenez bien. So you understand that. Samuel va obéir. And Samuel is going to obey. Mais il va oindre Saül. But he's going to anoint Saul. Pas comme il a oint David. Not the same way that he anointed David. Qu'est-ce que Samuel va prendre? What Samuel is going to take? Il va prendre une fiole. He will take a vial. La fiole c'est une bouteille. The vial is like a bottle. Est-ce que vous me suivez? Are you really? Il va prendre une fiole. It's like a vial. Et maintenant il va mettre l'huile. And he will put the oil. Et il va le oindre. And he will pour out the oil. Il est oint. Which means that. Mais pas la fiole. Saul was anointed by the fire. But the bottle. C'est le symbole de quelque chose qui peut se casser. Is a symbol of something that can be broken. C'est la chose humaine. C'est quelque chose qui est créé par l'homme. Est-ce que vous me suivez? Are you grabbing me? C'est quelque chose qui est créé par l'homme. It's something that has been created by man. Donc il dit. So he says. Je te oint. I'm anointing je vais te oindre selon ce que l'Éternel m'a dit. I will anoint you according to the way mais le prophète connaît le secret de l'onction. But the prophet knew the secret of the anointing. So every prophet that donc is anointed. Les prophètes connaissent le salut, le secret de l'onction. Knows the secret of the anointing. Donc il prend une fiole. So he takes a vial. Qui est le symbole de l'homme. Which is the symbol of man. Que l'homme même a fait. Something that the man himself created. Il met l'huile dedans. And he put the oil in. Il le oint. And he pour out il l'embrasse. And he kisses him. Et puis il dit. And he said to him, go to be the leader of the God, of the inheritance of God. Brethren, il y a être oint et être oint. There is be anointed and be anointed. Quand ça s'est passé, when it happened, la Bible dit, the Bible says, que Saül va désobéir. Saul will disobey. Quand il va désobéir, when he will disobey. Mais la Bible est trop bizarre. The Bible is so bizarre. Dieu va se démontrer en même temps. God is going to show himself. Ça veut dire que, and which means, le prophète dans son cœur n'était pas content. The prophet himself, when he was anointed, wasn't happy. Pas content. Wasn't happy. Automatiquement, il a sauté sur l'occasion. Automatically, he just jumped on the occasion. Et il a dit, and he says to them, he says to Saul, parlons des sacrifices. Let's talk about the sacrifice. L'obéissance, what? The obedience is better than every sacrifice. Dieu, God, a déchiré ta royauté, fini. Tear your kingdom, finish. Bien-aimé, brethren, la Bible me dit, the Bible tells me, parce que, because, Saül, Saul, a posé un acte, poses an action, il n'y a même pas eu pardon, and there was no even forgiveness. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'il était le choix
de l'homme. Because it was a choice of man. Quand c'est le choix de Dieu, when you have a choice of God, il y a pardon. There is amen. Forgiveness. Est-ce que vous suivez très bien? Are you really grabbing parce me? Que le même David, because the same David, il a pris la femme, took the wife de quelqu'un, of Uri, mais même qu'il a pris, but when he took it, il y a eu pardon. There was a forgiveness. Mais il y a eu conséquence. And there was consequences as well. Mais pour Saül, il n'y a pas eu pardon. But for Saül, un péché seulement. For Saul, there was no forgiveness. Allez! One sin. Out, fini. Knocked down. Parce qu'il était le choix because de l'homme. It was the choice of men. Quand tu es le choix de Dieu, when you are a choice of God, les choses diffèrent. Things become different. Saül était le choix de l'homme. Saul was the voilà choice of pourquoi man. Il pouvait perdre même les ânes de son père. He could have even lost the donkeys of his father. Mais quand on parle de David, but when we talk about David, il ne pouvait pas perdre une seule brebis de son père. He couldn't even lose one of the sheep. Parce que l'onction qu'on lui donne déjà, because the anointing they gave him, lui donne la faculté de pouvoir prendre soin de tout ce qui appartient à son père. What belongs to his father. Donc l'onction qu'on donne à l'homme, so the anointing we give to man, bien aimé, brethren, c'est une onction, is the anointing qui meurt, that can die. Beaucoup d'hommes de Dieu, many men of God, que font un truc oint, were anointed par l'homme, by men. C'est pas le choix de Dieu. Wasn't the choice of God. Oint par les hommes. Anointed by men. Bien aimé, brethren. Et quand Dieu appelle, and when God calls, il y a des signes qui montrent qu'il t'appelle. There are signs that show that he's calling you. Tout le monde veut servir Dieu. Everybody wants to serve God. Ce n'est pas mauvais. It's not bad. Mais tout le monde n'est pas appelé à servir but Dieu. All of us are not called to serve God. Tout le monde veut devenir aujourd'hui prophète. Many men want to become prophets. Tout le monde aujourd'hui veut devenir pasteur. Many men of God want to become a pastor. Tout le monde aujourd'hui veut devenir évangéliste. Many men of God want to become evangelists. Tout le monde veut servir Dieu. Everybody want to serve God. Mais tout le monde n'est pas le choix de but Dieu. All of us are not the choice of God. Aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent bishop. Today, people become bishop. Il y a école pour devenir bishop. There is a school to become a bishop. Il y a école pour devenir apôtre. There is a school to become apostle. Il y a école pour devenir prophète. There is a school to become a prophet. Il y a toutes ces écoles aujourd'hui. There are all these schools today. Mais tu peux aller dans toutes ces écoles. But you can go to all these schools. Mais si tu n'es pas le choix de but Dieu, if you are not the choice of God, l'onction que tu vas recevoir, the anointing that you're going to receive, ce sera l'onction humaine. Will be human anointing. L'onction de Dieu. Will not be the anointing from God. Voilà pourquoi Samuel, that is why Samuel a pris une fiole, took a vial, qui est le symbole, which is a symbol de l'homme, of man. Création humaine. Creation, human creation. Il savait que ça allait pas aller loin. And he knew that it's not going to go far. Mais quand Dieu, but when God va lui dire, told him, va, go, dans ma maison, in my house, j'ai une maison que je vais te montrer. There is a house that I'm going to show you. Il y a quelqu'un là-bas. There is somebody there. Que je veux que tu oint comme moi. I want you to anoint him. Parce as que j'ai déjà rejeté Saül. Because I've already rejected Saul. La Bible me dit. And the Bible told me. Quand il est arrivé dans la maison d'Isa. When he reached to the house of Isaac. Il savait pas qu'il était le choix de Dieu. Jesse. He reached to the house of Jesse. Est-ce que vous savez que quand tu es le choix de Dieu, when you are the choice of God, quelqu'un ne sait même pas que c'est toi. You don't even, they don't even know that it's you. J'étais avec des gens. I was with people. Mais les gens pouvaient pas savoir que j'étais dans le choix, j'étais un choix de Dieu. But people couldn't know that c'est I was the choice tard, of God. Après, it's later on que les gens peuvent se rendre compte. That people may now mais be aware. Dans le choix de Dieu. But when you are the choice of God, quelquefois Dieu même te cache. Sometimes God will hide you. Dieu fait en sorte qu'on ne te voit même pas. God will make that you don't, they don't see you. Dieu fait exprès. God do it parce que si on le sait très vite, because if they knew it, ta vie peut être en danger. Your life could be in danger. Regardez comment Saül a cherché à tuer David. Look at the way Saul try all means to kill David. Question d'onction. Because all this is a problem. L'onction amène la jalousie. You see, anointing brings jealousy. L'onction amène la jalousie. Anointing brings jealousy. Quand quelqu'un a été oint par les hommes, when somebody has been anointed by men, et que il est, c'est-à-dire le fruit de l'homme, and is the fruit of a man, quand quelqu'un est le choix de Dieu, and somebody is the choice of God, et qu'il est oint selon Dieu, and is anointed according to God, celui qui est humain. The one that is human, attaquer celui qui a l'esprit. Attack the one that is as the spirit. Il y a trop d'hommes de Dieu aujourd'hui qui se battent. There are so many men that are fighting each other. Vous savez pourquoi ils se battent? You know why they are fighting each other? Parce qu'ils sont le choix humain. Because they are human choice. Bien aimé, brethren, c'est très facile aujourd'hui. It is easy de se lever to do that. Et dire voilà moi Dieu m'a appelé. To stand up and say that God has called me. Toi ce tu dors. Yourself sleep. Toi ce tu vois. Yourself see. Mais le prophète lui voit aussi ce que tu vois. But the prophet also see what you see. Bien aimé. Brethren, je me rappelle que mon fils Lambert, I remember that my son Lambert,
Il a pris un moment de jeûne. He took a moment of fasting. Pendant qu'il prenait son moment de jeûne. While he was taking a moment of fasting. Moi, je suis dans ma chambre. Me, I was in my room. Et puis le Seigneur me dit. And the Lord told me. Il jeûne, voilà pour ça. For this reason. Amen. Je lui ai dit, mais tu jeûnes pourquoi? And I told him that, why are you fasting for? Parce que tu jeûnes. So you fasting. Tous tes sujets. But all your subjects. Moi, je connais. I know. Bien aimé. Brethren. Quand quelqu'un est prophète. When somebody is a prophet. C'est par rapport. Is according to. Au choix de Dieu. The choice of God. Je n'ai pas demandé à être prophète. I didn't ask to be prophet. Je n'ai pas demandé cela. I didn't ask to be prophet. C'est Dieu qui a voulu ça. It's God that wanted. Mais je comprends que. So I understood that. Les prophètes. The prophets. Ont des signes qui les accompagnent. They have signs that follows them. C'est leur bouche qui est dangereuse. Their mouth are so dangerous. J'ai prophétisé sur les nations. I prophesied on nations. On a vu ce qui s'est passé. We saw what happened. Amen. Ce pour vous dire. Is to tell you. Que Saül. Saul. Beaucoup sont des Saül. Many people are souls. Dans les églises. In the churches. Dans des ministères. In the ministries. Mais Dieu dit. But God says. J'ai des gens que j'ai choisis. I have people that I have chosen by myself. Et ceux-là. And God's ones. On les oint pas avec la fiole. You don't anoint them with the fire. No. Pour David. For David. C'était autre chose. It was different. Quand son père avait passé tous ses frères. When his father Jesse took all his brothers and passed. Before il va se rappeler maintenant qu'il y a encore un autre. Oh, he will remember that. Oh, there is another one. L'onction fait qu'on te voit pas. The anointing makes that they don't see you. Si tu veux qu'on te voit avant le temps. If you want people to see you before the season. On va te tuer. They will kill you. Si tu veux qu'on te voit avant le temps. If you want people to see you before the time. They will just kill you. Si tu veux qu'on te voit avant le temps. If you want people to see you before the time. Ta vie sera en danger. Your life will be in danger. L'onction que nous avons pris. Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. When we say, Lord, give us anointing. Give us anointed. Bien aimé l'onction. Brethren, anointing. En prison. Can take you to prison. L'onction. The anointing. Crée l'animosité. Bring animosité. Les gens vont commencer à taïr. Yes, people may hate you. Les gens vont commencer à taïr. People may start hating you. Les gens vont pas te comprendre. People may not understand parce you. Parce que l'onction. Because the anointing. Ne peut être compris par celui qui l'a. Can only be understood by the person that has. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me carefully. Saül a été oint par la fiole. Brethren, Saul was anointed by the fire. Maintenant, regardez un peu pour David. Now listen, let's see for David. Afin que vous compreniez, so that you may see, que Samuel savait ce qu'il faisait. That Samuel knew what he was doing. Vous savez, les prophètes. So you see, there are prophets. Tu peux être avec un prophète aujourd'hui. You can be with the prophet today. Mais si tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire, if you don't know what he's doing, fais très attention. Be careful. Ils sont très dangereux. They are very dangerous. Très bizarres. Very bizarre. Vous ne savez pas. Complicated. You may not know dans leur tête. What they have in their head. C'est des gens qui sont très compliqués. There are people that are very complicated. C'est pour ça quelquefois. That is why sometimes. Ils doivent être compliqués. They have to be complicated. Mais pas qu'on sache comment ils sont. So that people may not realize who they are. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que la manière à laquelle Dieu les utilise. Because the way God uses them. Perturbe. You know, confuse people. Perturbe. Confuse people. Voilà pourquoi. That is why. Écoutez bien. That is why. Dans 1 Samuel chapitre 16. In 1 Samuel chapter 16. Il y a quelque chose qui est écrit là. There's something that is written there. 1 Samuel chapitre 16 verset 12. 1 Samuel chapter 16 verse 12. Je lis. I read it. Isaïe l'envoie chercher. Or il était roux avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord says, arise, anoint him, for this is he. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après Samuel s'éleva et il s'en alla à Rama. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of all his brethren and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Rama. Hallelujah. Non, mais c'est merveilleux. No, it's so marvelous. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Look at what the Lord of God, the word of God is telling us. Samuel va oindre David. Samuel will anoint David avec une corne. With a horn. Remplie d'huile. Filled with oil. La corne. The horn. Est le symbole. Is the symbol.
de la vie qu'on vient d'ôter à quelqu'un. Of the life that you took it from somebody. Vous savez, pour ôter la corne, do you know that to took out the horn of an animal, tu dois le tuer. You have to kill him. Sans effusion de sang, without a shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Symbolise the horn, symbolise le sacrifice. The sacrifice. Donc je vais vous dire quelque chose. Non, let me tell you. Quand Dieu met son choix sur toi, when God put his choice on you, l'onction qui va descendre sur ta vie, the anointing that will fall upon your life, c'est-à-dire tu deviens un sacrifice maintenant pour Dieu. You become a sacrifice for God. C'est-à-dire tu es mis à part pour Dieu. You've been set apart from God. Et la corne ne se casse pas. And the horn will never break. Mais la bouteille se casse. But the vial will always break. Donc la différence entre les deux. So the difference between the two. Quand tu es le choix de Dieu. When you are the choice of God. Dieu te oint. That God anointed you. C'est fini. It's over. Si c'est par la corne. If it's by the horn. La corne c'est la dureté. And the horn is the hardness. C'est la stabilité. It's the stability. C'est la fondation. It's the foundation. On ne casse pas une corne. You cannot break a horn easily. Mais une bouteille tu la casses très rapidement. A vial, you can just break rapidly. Des hommes de Dieu. That is why le ministère ne tue pas. So many men of God in the ministry, the ministry never lasts for long because it's break barrier. Ils sont le choix. Because they are the choices of men. Quand tu as le choix de Dieu, when you are the choice of God, l'église peut se vider. The church can be empty. Parce que l'église sera toujours attaquée. Because the church will always be attacked. Mais écoutez-moi très bien. Now let me tell you carefully. L'onction attire. The anointing will attract. L'onction ramène. The anointing will bring back. L'onction te donne la faculté d'atteindre des choses que tu ne peux même pas imaginer. To reach things that you cannot imagine. Donc celui qui a été oint par la corne, when somebody has been anointed by the Holy, il est le choix de Dieu. It is the choice of God. Je lui dis voici que God je te fais maintenant comme une corne. I will make you as a horn. Vous savez la corne? Do you know that the horn? Essaie en Israël à plusieurs in choses. In Israel, it does many things. Par la corne, by the horn, en souffle pour prévenir. You can blow to warn. Quand Jésus reviendra. And when Jesus will come back. Et vous savez que la Bible nous dit. And the Bible says qu'il y a des sentinelles. There are sentinels. Ils devront crier. That will have to shout. Ils vont souffler. And they have to blow. La trompette au ciel. The trumpet in the heaven. Va résonner pleinement et puissamment. Will blow powerfully. Pour avertir. To warn. En Israël, on utilise la corne pour souffler, Israel, pour prévenir. In Israel, the horn to blow and warn. Donc ça veut dire que quand tu es oint. So it means that when you are anointed. Par la corne. By the horn. Dieu t'établit pour annoncer. God establish you to le retour de Jésus. God establish you to announce. Dieu t'établit. If you are pour annoncer quand l'ennemi arrive. When the enemy is coming. Dieu. And God. T'établit. Establish you. Quand tu es oint par la corne, when you are anointed by the horn, écoute-moi très
bien. Let me tell you carefully. Tu apaises les autres. You just call the solution. You bring the solution for others. Tu n'es pas comme les autres. You are not like others. Écoutez-moi très bien. Let me tell you carefully. Tu es oint par la corde. When you are anointed by the horn. Tu as la faveur des hommes. You have the favor of men. David tombe devant toi. Even David fell before you. Regardez très bien. Let me tell you before. Saul. So la Bible dit. The Bible says il était plus grand que tous les autres. He was very tall. Mais il a trouvé quelqu'un de plus grand que lui. Amen. Pardon? Il a trouvé quelqu'un de plus grand que lui. But he met somebody taller than him. Goliath. Goliath. Mais quand il a vu Goliath, but when he saw Goliath, l'onction avec il a fui. The anointing make him run. L'onction humaine. The anointing of men. Fait trembler certains hommes de Dieu qui sont. Will make shaken some men of God when they are before situations. Écoutez-moi très bien. Let me tell you. Moi j'aime trop Dieu. Me I love so much God. C'est quand quelqu'un dit c'est Dieu. Because when somebody said I serve God. Quel que soit ce qui peut traverser. No matter how what is going to go. La personne est sereine. The person is just. Parce qu'il est still. En action. Because he knows that God is in action. Amen. Amen. Donc nous voulons faire quelque chose. So we want to do something. Nous voulons expérimenter l'onction. We want to experiment the anointing. L'onction que Dieu donne à celui qu'il choisit. The anointing that God gives to somebody that He has chosen. Aujourd'hui tu es en Jésus-Christ. Today you are in Jesus Christ. Aujourd'hui tu es en Jésus-Christ. Today you are in Jesus Christ. Tu as le droit aujourd'hui. You have the right today. De vivre le choix de Dieu. To live the choice of God. D'ailleurs la Bible me dit ceci. And the Bible tells me this. Nul ne vient au Père. Nobody can come to the si Father. Le Père qui l'attire. It is not the Father that attracts. Ce qui veut dire, which means that. Parce que aujourd'hui tu es venu en Jésus. Because today you came in Jesus. Tu es là le choix de Dieu. You are already the choice of God. Tu n'es pas la fabrication humaine. You are not the fabrication human. Mais celui que Dieu choisit. But the one that God has chosen. Pour te oindre une onction. To anoint you with anointing. Pour que tu puisses atteindre. So that you may reach to des the grandes choses avec lui. To do great things with him. Donc aujourd'hui. So today. L'onction de fiole. The anointing of fire. On n'a pas besoin de ça dans l'église. We don't need it in the church. Un homme de Dieu. A man of God. Dieu oint par une fiole. Who is anointed by a vial. Il va tuer le peuple. He will kill the people. Parce que. Because. L'onction de la fiole. The anointing of the vial. Est très limitée. Is limited. Mais l'onction qui vient du Saint-Esprit. But the anointing that comes from the Holy Spirit. L'onction qui vient du Dieu vivant. It comes from the living God. Sortant de la corne. Come out from the horn, which is the symbol of the sacrifice. Les choses changent automatiquement. Things will change automatically. Donc vous comprenez? So you understand? Aujourd'hui, today, c'est la Pentecôte. It's the Pentecost. Dieu, God, a ses choix. Has his choice. Il y a des personnes que Dieu a choisi déjà. There are some people that God has already chosen. Il y a des gens in advance. Que Dieu a choisi. There are people that God has already chosen. Je ne veux pas être un Saül. I don't want to be a Saul. Mais moi, je veux être un David. Me, I want to be a David. Si tu es le choix des hommes. If you are the choice of men. Ce que ta vie va pas aller loin. Which means that your life will not go forward. Les hommes vont t'acclamer aujourd'hui. People will clap for you today. Et les mêmes gens vont te lâcher. And the same people will leave you. Mais quand tu es le choix de Dieu. But when you are the choice of God. Oh, les gens sont obligés. People are obliged. Parce que l'onction attire. Because the anointing. L'onction amène la faveur. Because the anointing brings the favor. L'onction te met dans une position. Donc vous comprenez que so you understand that quand tu es dans la maison de Dieu, when you are in the house of God, il faut que tu reçoives l'onction. You need to receive the anointing. Pas n'importe laquelle. Not any mais l'onction qui vient de Dieu. But the anointing that comes from l'onction qui vient de Dieu. The anointing that comes from l'onction de l'homme tue. The anointing of the man kills. Je me rappelle un jour. I remember one day. Il y avait un programme. There was a program. Servant de Dieu en guillemets. There was a servant of God in brackets. Les hommes de Dieu sont assis. Men of God were sitting. On était tous assis. We were all sitting. Elle a commencé à faire son programme. And she started to do a program. Et puis un moment. And one after. Elle commence à imposer les mains à tout. She started to, you know, lay on people. Les hommes de Dieu. Even us, the men of God. Mais toi, tu m'imposes les mains. And I say, are you laying up your hands? L'onction qui est sur moi la main à toi, même toi, ça va te faire. The anointing that is upon me. Parce que tu sais pas comment Dieu m'a oint. Amen. Mais elle m'a oint. Je t'ai dit. L'onction qui est sur moi. The anointing that is upon me. Elle-même sa main qu'elle a mis sur moi. Even her, the hand that she lays on me. A un problème. Has a problem. N'est que elle a mis sa main sur ma tête. Stretch, you put your hands on me. J'ai senti au niveau de mon cou. I felt at my back here, at my, behind my head here. Au nom de Jésus. And I said, in the name of Jesus. Je sors. I said, out. Vous savez pourquoi? You know why? Sa main était sale. Because her hands was, amen. Her hands was impure. Écoutez, je vais vous dire. Sorry. Il y a d'autres choses qui se passent. Because many things happen today. L'onction fraîche.
Fais s'anointer. Donc pas douleur à quelqu'un. Amen. Don't give anyone. L'onction du Seigneur. The anointing of the Lord. Restore. Amen. Always restore. Guéri. And heal. Délivre. And deliver. Onction qui But the anointing that gives you make you sick. Onction qui the anointing that te trouble. Trouble you. Onction qui t'amène à ne pas comprendre. That makes you not understanding. Tu dois faire très attention. You really have to be careful. Il y a trop d'hommes de Dieu. So many men of God. Qui doivent laisser leur Bible. Need to leave the Bible. Et puis dis simplement, Seigneur, je veux devenir chrétien comme toi. And say that no, let me just be a Christian like every Christian. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Because there are so many men of God. Qui sont en train de jouer dans la nation de Londres. That are playing in the nations of London. Je me rappelle une année. I remember one day, when we were at Ifold, un dimanche, one Sunday, j'ai commencé à prophétiser sur I start to prophesy cette nation, on this nation, et je disais, and I was saying, tous les hommes de Dieu, all the men of God, sont en train de jouer pour disperser that are playing that, you know, they are dispersing the sheep of God, de Dieu arrive sur the judgment of God is coming against you, va se passer les choses something will happen that will shock people in the churches, et quand je finis de prophétiser, when I start to, I finish to prophesy, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? And I say, what's going to happen, la semaine qui a suivi, and the following week, de Dieu. A man of God, sa chair. Behind his chair, alleluia, alleluia, behind, his alleluia. Puppet, behind his puppet, he was saying, Alleluia, Alleluia. Oh, he fell, he passed away. À la chair, il meurt. At the puppet, il y a un autre encore. Another one. Et puis ça se suivait comme and ça. Was just going like this. Non, Dieu est trop dangereux. God is so dangerous. Il y a un autre qui était assis. And there was a man that was donc, pendant qu'on fait la modération, while they were doing the moderation. L'homme de Dieu assis là. The man of God was sitting. Il attend qu'on l'introduise. He was waiting for people to introduce. Il est mort là. Straight away on the chair, he passed donc, away. À un moment donné, and there was a moment. On introduit l'homme de Dieu. With the start to introduce the monsieur, and they, on a l'impression que ses yeux sont fermés. They saw him sitting and we thought that oh maybe he was meditating. En fait, eyes closed. When they pushed him, touched him a bit. Troisième. The third one. La femme d'un homme de Dieu. A woman of the man of God. Et c'était la même période. The wife of a man of God in the same period. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Dieu, oh, God is good. Guia, guia, she fell. Mort. Died. Dans la même période. In the same period. Il y a des églises congolaises ici. Many Congolese churches. Ils ont commencé à fermer maintenant. They start to close. Les pasteurs qui sont venus dire. Some pères pasteurs. Je ne suis pas pasteur. Oh, me, I'm not pastor. Allez, Dieu. Go. Je ne veux pas mourir. I don't want to die. Les gens commençaient à avoir peur. And people started to fear. Parce qu'ils se sont posé la question. And they were asking themselves. Qui sera le prochain? Who is going to be the next? Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Let me tell you, brethren. Quand tu sais Dieu en when vérité. When you serve God in truth. Dieu ne peut pas permettre que tu meurs à la chair. God will never be able to die on the pulpit. Non, c'est pas Dieu. It's not God. It's not God. Do things like donc, that. Donc, il y a des gens qui sont des usurpateurs. That are usurpators. Usurpator liars. Des saluts. Seducers, des Saül, des souls, some souls, les choix des hommes, choices of men. Quand tu es le choix de Dieu, when you are the choice of God, Dieu te montre. God shows you quelle est sa volonté. What is His will? Aujourd'hui, today, si tu es le choix de Dieu, if you are the choice of God, le Saint-Esprit va faire son travail. The Holy Spirit will dance, will do His work. Je n'aime pas le choix des hommes. I don't like the choice of men. Le choix des hommes, the choice of men, ça tue, kills. Ça tue. Kills. Il y a des gens qui m'ont dit à un moment donné. There are people that told me one time. Mais toi, tu es prophète comment même? You are prophet. How did you become a prophet? Et il va demander à Dieu. I said, go and ask God. Amen. Amen. Demande à Dieu. Go and ask God. Parce que moi, quand il m'a appelé, moi, je savais même pas. Because me, when he called me, I didn't even know. Tu es prophète comment même? How are you a prophet? How did you become a prophet? Je lui demande à Jésus. I said, go and ask to Jesus. Ces mêmes personnes qui ont posé les questions. The same people that ask me this kind of questions. Leur bouche est fermée. Their mouths are closed parce qu'ils ont peur maintenant. Because now they are scared. Bien-aimé, brethren, quand tu es le choix de Dieu. When you are the choice of God. C'est Dieu qui combat. It's God that fights for you. Quand tu es le choix de Dieu. When you are the choice of God. C'est Dieu qui combat pour toi. It's God that fights for you. La Bible me dit. The Bible tells me. Ne touchez pas à mes oints. Don't touch to my anointing. Écoutez, mes oints. My anointing. Ce sont ceux. Are que Dieu a mis à part. God has set apart. Tu n'es pas oint par Dieu. You are not anointed ce by God. Ce verset n'a rien à voir avec toi. This verse is not for you. J'ai entendu trop d'hommes de Dieu dire. I've heard so many men of God. Je suis le oint de Dieu. I am the anointed of God. Fais attention. Be careful. Le oint de Dieu parle même pas. The anointed of God doesn't even le speak. Le oint de Dieu. The anointed of God. Il parle pas. He doesn't even talk. Il parle pas. He doesn't even talk. Parce qu'il sait. Because he knows. Que quelqu'un prendra la relève. He knows that somebody will take, you know, mais il y a des hommes de Dieu qui ont menacé. There are some men of God that des assemblées. Threaten some. Plein. Some. Je suis le roi de Dieu. Assemblies. Fais attention. And they said, I'm the anointed of God. Be careful.
Are you called for that? Tout ça, to threaten people? C'est en train de prendre fin. All these things. Dieu est en train de bannir les églises. And God is visiting churches. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train de jouer avec les églises. There are men of God that are playing with their lives. Mais Dieu sait. But God knows que le temps est proche. That the time is near. Regardez un peu les nations. Look at the nations a bit. Regardez comment les ténèbres sont en train d'envahir le monde. Look at how the darkness is just infesting the whole world. Plus loin. And we are not far. Jésus revient. Jesus is near. C'est pour ça que quand tu sais, that is why when you know, fais la différence. To know, to make the difference. Entre quelqu'un qui est oint par la corne et quelqu'un qui est oint par la fiole. To make the difference between somebody that is anointed by the vial. C'est là. The horn, you know that. Tu vas savoir où tu dois aller. Where you have to go. Le temps est arrivé. Time has come. Pour que chacun commence maintenant à se mettre dans sa position. Everyone will start to be in his position. Les églises sont fatiguées. Churches are tired. Les gens sont fatigués. People are tired. Parce que les gens s'amusent trop. Because people are playing up so much. L'onction quand Dieu te le donne. The anointing when God gives you. C'est pour conduire le peuple. Is to lead the people. Pour perdre le peuple. Not to lose the people. C'est pour que le peuple puisse voir Jésus demain. Is so for the people to see Jesus tomorrow. Pour que tu commences à sortir les femmes dans l'église. Not to go out with women do all these things. L'onction ne peut pas t'amener à faire des choses comme ça. Anointing cannot bring you to do things like that. Donc quelqu'un est oint. When you are anointed by l'homme, by men, il peut faire ce genre de choses. You can do that kind of things. Il y a une soeur que j'ai invitée dernièrement. There was a sister that I invited recently. Elle voulait pas venir. She didn't want to come. Elle m'a dit. And she told me. J'étais dans une très grande église. I was in a big church. Et je vais te dire. And let me tell you. Parce que l'homme de Dieu est utilisé. The same way, you know, let me tell you the way the man of God is being so used. We saw miracles. Moi, je viens dans l'église avec. And c'est quoi, c'est if quoi, I come to your church, Dieu a fait la même, pas encore vu. What God is going to do with you, and I haven't seen it. La seule chose que peut-être tu n'as pas encore vu chez moi. And I said that the only thing maybe you haven't seen it, c'est la communion de l'amour. Is the communion of love. Parce que tu peux aller dans une grande église. Because you can be in a big church. Et puis vous aimez pas. And you don't love each other. Donc nous on n'est pas dans ça. We were not inside that. Elle dit mais je vais te l'expliquer. And she said I'm going to explain you. Un jour l'homme de Dieu m'a appelé. One day the man of God called me. Dans mon bureau. In my office. Dans son bureau. Now, dans son bureau. The man of God called her in his office. Donc, so, elle arrive dans son office, dans son bureau. She reached there. Et cet homme sait. And that man of God knows cette soeur mariée. That this sister is married. Connaît même le mari. And knows even the husband. Ce jour-là. And that day, il lui dit, the man of God asked her. Tu sais, do you know, je dois sortir avec toi. I need to go out with you. Et dans son bureau. And in his office, il a un petit lit déjà préparé. He's got already a bed already prepared. La soeur a dit, elle dit, elle était tellement choquée. And the sister said that she was so shocked. And she said, tu peux dire des choses comme ça? Pastor, how can you talk things like that? Non, c'est comme ça. And he said, I know it's like that. Tu n'es pas la seule. You are not the only one. Je vais te transférer mon onction. I will transfer my anointing to you. And the sister said, no, I'm not into that. Tu vas accepter. And she said, no, you're going to accept. Tu connais déjà le secret. Because you know already the secret. Elle a quitté cette église. And she left the church. Elle a dit au monsieur. And she told to the pastor. Okay, mais aujourd'hui là. Today. Tu m'as surpris. You surprised me. Vous me laissez me préparer. Let me be prepared. Je vais revenir. And I'll come back. Jusqu'aujourd'hui. Until now. Elle a fui cette église. The sister ran away from this church. Mais cet homme. But this man of God, il va parler de l'onction. And he will be talking about the anointing. What kind of anointing is it? C'est l'onction. Is the anointing du Seigneur? Of the Lord? Ou c'est l'onction? Of or is the anointing humain? Of human being. Les gens sont fatigués. People are tired. Trop de personnes sont dans les maisons. So many people are in the houses. Parce qu'ils ont été déçus. Because they have been deceived. Ils ont été découragés. They've been discouraged. Ils ont été blessés. They've been wounded. À cause de cela. Because of this. Mais aujourd'hui. So today. Je bénis Dieu. I bless the name of the Lord. Il est encore vivant dans Jésus. He is still alive. Amen. Tu vas faire la différence. You're going to be able to make the difference. Bien-aimé, le plus important. Brethren, the most important. C'est que tu marches par l'onction. Is to walk. But in the anointing of the Holy Spirit, que Dieu te trouve so that God will find you la vérité. In the truth. C'est dans la vérité in the truth que tu vas triompher. That you're going to be triumphant. Tu ne reçois pas l'onction. You can never receive the anointing. Pour perdre les autres. To mislead people. Tu ne reçois pas l'onction. You don't receive the anointing. Pour détruire les autres. To destroy the others. Mais tu reçois l'onction. But you receive the anointing. Pour sauver. To save. Pour orienter. To lead. Pour libérer. To free. Pour bénir. To bless. Pour qu'un jour les gens soient en face de Jésus. So that one day people may be before the Lord Jesus. L'onction rend humble. And the anointing will make you l'onction humble. L'onction qui vient du Seigneur rend humble. The anointing that comes from the Lord makes you humble. Quand je vois des hommes de Dieu. When I see men of God. Gonflés à bloc. Pride
ils ont l'onction. And they said they have the anointing. Moi j'appelle ça c'est pas tu mens. And I said no, you lie. Parce que l'onction. Because the anointing makes you humble. Quand vous lisez dans la Bible. When you read in the Bible. Les prophètes de la Bible. The prophets of the Bible. They were so anointed. Mais humble. But humble. Ils tapaient jamais sur leur porte. They never hit their chest. Humble. Humble. Mais quand vous regardez aujourd'hui. But when you see today. L'attitude de certains hommes de Dieu. Attitude of certain men of God. You notice that I'm attacking the men of God today. Because I've got a message for them. Ils sont pas humbles. They're not humble. Ils sont pas humbles. They're not humble. En Israël. In Israel. Est-ce que vous savez que? Do you know that? Samuel. Samuel. Quand Dieu l'a appelé dans le temple. When God called him. In the temple, il ne savait pas d'abord écouter la voix de Dieu. He didn't know to recognize the voice of God. Le sacrificateur Eli était là. The high priest Elijah was there. Écoutez-moi très bien. Dieu, God, l'appelle. Calls him. Samuel ne sait pas. Samuel don't know. Il va vers Eli. And he goes towards Eli. Une fois, Elijah, deux fois, trois one, fois, two, three times. Eli lui dit. Maintenant, si on t'appelle encore, and Elijah said, now when they call you, si tu entends encore cette voix, when you hear this voice again, dis, say, Eternel, Lord, parle, speak, ton serviteur écoute, your servant is listening. Donc, so, Eli, Elijah, va dire à Samuel, will go to tell Samuel, quand Dieu va parler à Samuel, when God will speak to Samuel, dis-moi, say, faut rien me cacher, to me and don't hide anything to me, dis-moi. Tell me, Dieu a dit. Tell me everything God says to you. Mais Samuel, so Samuel avait peur, was scared. Il va expliquer. But he will explain automatiquement everything. Le cœur d'Élie va battre. And the heart of Elijah parce will comprendre que la chose allait tomber. And because he knew that the same thing is going to Dieu fall. Était en train de dire d'utiliser Samuel. So God was using Samuel at the earlier age. Pourquoi les gens ne respectent pas les hommes aujourd'hui? Why many people don't respect people today? Les gens pensent qu'il faut qu'on ait 60 ans pour qu'on reconnaisse people le nom de that, Dieu. You know, you have to have 60 years old. Les gens pensent qu'il faut qu'on ait 80 ans avant qu'on dise que tu es un homme de Dieu. Or to have 80 years old. Dieu peut utiliser un enfant de 15 ans tout de suite. Even God can use a man of 80 years old. Mais vous allez voir ces vieux pasteurs. But you see these old pastors qui ne respectent rien. That don't respect nothing. Mon âge. My age. Toi tu es un enfant. You are a child. Mais moi j'ai une parole pour toi. But me I have a word for you. Toi tu n'as plus de parole. But you have no word anymore. La Bible me dit. And the Bible tells me. À un moment donné. There's a moment. Elie. Elijah. Ne voyait plus rien. Couldn't see anything. Il y a des pasteurs qui ne voyaient plus rien. There are pastors now don't see anything. Au lieu de reconnaître qu'ils sont devenus aveugles. They recognize that they become blind. Ils combattent les jeunes. They start to fight against the young. Moi je les mets à leur place. Me I'm putting them at their place. Parce que je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Because I know why God calls me. C'est pour mettre de l'ordre. Is to put order dans les églises. In the churches. Vous savez? Let me tell you. Je suis pas toi appelé pour être à l'église. I'm not called to be local. So much, you know, in the church to be blocked like that. Je suis appelé à aller dans churches. Parce qu'il y a trop d'églises. Because there are so many churches. Qui ont besoin d'entendre la voix de that Dieu. That needs to hear the voice of God. Trop d'amusement. Many play up. Quand je suis assis. When I sit. Avec des hommes de Dieu with men of God, qui sont plus grands que moi, that are older than me, qui sont plus en forme que moi, more strong, more built than me, qui sont plus barbus que moi, more qui ont plus de cheveux que more moi, beards than me, or more hairs than me, on me regarde avec mépris. They look at me with the scorn. Et quand on me donne le micro, and when they give me the microphone, le coin gâté. The old place is in on dit, mais, shaking. Danse. Petit là. So they say, oh, this child, petit, this small, but he's so c'est dangerous in the world. It's the anointing that makes the difference. David était jeune, was young, mais son onction, but his anointing, a tenacé Goliath. Just keep Goliath. Mais Saül était plus âgé que lui. But Saul was, mais il n'a pas réussi. But he couldn't succeed. Je vais vous dire quelque chose. Let me tell you something. Dieu veut faire des grandes choses. God wants to do great things. There's a time where Dieu va susciter dans son église. God will bring in his church une nouvelle génération. A new generation of femmes de Dieu. Of men and women of God. Et Dieu va commencer à les envoyer. And God will start
pour faire son œuvre. Sending them to do his work. Le temps est proche. The time is near. D'ici les trois années qui arrivent. Maybe from here to the 3 years that come. Vous ne savez pas ce qui va se passer. You will see what's going to happen. Dans cette nation. In this nation. Je vous ai dit jusqu'à la fin de l'année. And I told you until the end of this year. Il y aura un événement qui viendra. There was a, there's another. J'avais prophétisé. I prophesied that there's a meeting that has to happen. Une personnalité de cette nation qui va a personality in this country. La nation. And it will profess the whole nation. Church est décédé. Away. Il y a des gens qui ont bu le vin, qui ont sauté, qui ont pété. Drunk, and they were happy. Mais écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Tu n'as pas encore fini la grande God Britain. Hasn't finished yet for the Great Britain. J'avais dit le 31 décembre. So I say the last 31st of December. En Côte d'Ivoire, il va se passer un événement. In Ivory Coast, there is pendant qu'on était en train de le, à la ville du 31, while le 1er janvier, on nous dit qu'il y a plein de monde au stade. The 1st January, there were so many dead at the stadium, football stadium. J'avais donné des prophéties sur les nations. I gave the prophecy on the nations. C'est en train de s'accomplir un à un. It's coming to pass one by one. La Bible dit qu'un prophète, and the Bible said that on le reconnaît, you recognize him par by the fulfillment of his word. Et par l'accomplissement de cette parole. And by the accomplishment of his word. Vous devez savoir une chose. Listen to me carefully. On est dans la maison d'un prophète. When you are in the house of a prophet, l'onction du prophète, the anointing of the prophet will circulate. Écoutez, il y a plusieurs façons. There are so many ways. On est plusieurs prophètes. We are many prophets. Mais Dieu ne nous utilise pas de la même manière. But God doesn't use us in the same way. Il y a des prophètes qui peuvent te regarder. There are some prophets that can just look at you. Il va te parler de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. And they will speak about all your past generation of your forefathers. Ça, j'appelle ça. I call it les prophètes personnels. Personal prophets. Mais il y a les prophètes des nations. But there are prophets of nations. Eux, leur message, them, their message, c'est pour les nations. Is for the nations. C'est plus pour les individus. It's not for personal. Il peut te donner un message pour toi. It can give you word for you. Mais en général, le message qu'il donne, c'est pour les nations. But generally, it's for nations. The message he gives. C'est ça que je disais. That's what I was saying. Avant qu'il y ait un printemps arabe. Before there will be a prophétisé sur le printemps arabe. Et je disais, and I say, ça va déclencher it will bring, dans un pays arabe. In a, et ça va sauter d'un pays à un autre pays, à un autre pays, à un autre pays. Et tout le monde va comprendre. And everybody will understand que c'est Dieu qui est en train de souffler un vent nouveau. That God is blowing a new wind. Quand c'est arrivé, when it comes to pass, personne ne peut discuter. No one will come discuss. J'ai prophétisé sur New York. And I prophesied on New York. J'ai dit à New York. And I say to New York. Depuis qu'ils ont décrété, since their decree, leur droit pour les homosexuels. You don't send the decree, the law for the homosexuals. La prophétie est arrivée. The prophecy came. New York sera traversée. New York will be par un événement. Will be going through. Et je disais ce jour-là quand j'étais à New York. And I said that when I was in New vous York. Vous qui êtes les chrétiens. You the Christians. Attachez vos ceintures. Put your belt on. Priez. And pray. Pour que quand c'est-à-dire cet événement va arriver. So when this event will come. Que cela ne vous touche pas. It will not touch you. On a vu ce qui s'est passé. We saw what happened. Inondation et destruction. Flood and destruction and death. Ça c'est que le commencement. That was just the beginning. Ce n'est pas encore fini. It's not finished yet. J'ai parlé du Mali. I talk about Mali. J'ai dit. And I said. Le Saint-Esprit me dit. The Holy Spirit tells me. Il va se passer quelque chose au Mali. Something will happen in Mali. Au moment où je prophétisais, il n'y avait aucun problème au Mali. When I was prophesizing, there was no il problem avait aucun in Mali. Problème. No problem in Mali. Et dans mon esprit, me suis dit, ah Seigneur. My spirit, oh Lord, I said, à l'horizon, je ne vois rien. And the horizon, il dit, parle. And he said, il dit, au Mali, il va se passer quelque and chose. In Mali, something will happen. Le Mali sera bouleversé. Mali will go through shaking. Et même ça va affecter un peu les pays voisins. And it will also affect the neighbor's countries. Quand je prophétais sur le Mali, when I was prophesizing on Mali, personne no one pouvait imaginer. Can imagine. Mais voyez-vous, but now you see, la parole d'un prophète, the word of a prophet, inspiré par Dieu, inspired by God, s'accomplit. Come to pass. Voici le Mali aujourd'hui. That's the Mali today. Les gens sont en guerre aujourd'hui. People are in war. La France envoie les gens pour se battre aujourd'hui. France is taking. Et ils disent qu'ils ont fini avec les terroristes, mais c'est pas encore fini. And they haven't finished with the terrorists. Le problème n'est pas encore résolu jusqu'aujourd'hui. The problem hasn't been resolved until now. Le Mali est divisé. Mali is divided. Aujourd'hui, le Mali, le nord du Mali, and today veut prendre son indépendance. Wants to take his independence. Est-ce que la prophétie ne continue pas? But wasn't the prophecy still going on? Il faut qu'on fasse très attention. Let's be careful. Il y a des gens. There are men qui sous-estiment des gens. That underestimate others. David a été sous-estimé. David was underestimated. Il n'a pas été respecté. He wasn't respected. Les gens n'ont pas vu en lui. People didn't see in him. Il était le choix de that Dieu. That he was the choice of God. Mais écoutez-moi très bien. Now let me tell you même carefully. Même si quelqu'un ne reconnaît pas que tu es le choix de even Dieu. Even when people don't recognize that you are the choice of God. Ils ne sont même pas parlé. Don't even talk. Il y a des actes.
There are actions que Dieu t'amène à poser. That God will push you to faire que tout le monde va dire on n'a plus le choix. And people will say, oh, everybody will say, we don't have choice anymore. Je vais vous dire quelque chose. Let me tell you something. Je n'ai pas demandé à être prophète. I didn't ask to be prophet. Quand j'étais à œuvre mission. When I was at every mission. La première fois. The first time, où Dieu va m'interpeller, c'était pendant que nous tous les responsables on était dans la salle et on intercédait avant le service. All the leaders were in the hall and we were interceding. Pendant qu'on était en train d'intercéder, when we were interceding, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, I heard the voice of the Lord. Je t'appelle au ministère de prophète. I call you to the ministry of prophet. Quand j'ai entendu ça, when I heard it, mon cœur s'est coupé. My heart just broken. Je dis attends, c'est quoi ça? And I said, oh, j'ai ouvert mes yeux. I opened my eyes. Je regarde. I look at. Tout le monde en prière. Everybody is in prayer. Je continue à prier. I start praying. Mais j'entends encore la voix qui me dit. I heard again the voice of the Lord. Je dis, je le répète. I say, I repeat. Je t'appelle au ministère de prophète. I call you to the ministry of a prophet. Quand j'ai ça une deuxième fois. I heard it twice. J'ai dit, bon, cette fois-ci là. I said, no, now. Mon cœur coupé. My heart is shaking. Je ne peux plus prier. I couldn't pray anymore. Je suis allé voir le pasteur. And I went to see the pastor. Si je savais. If I knew it. Pasteur. Pastor. J'ai entendu une voix. I heard a voice. Quand je priais, when I was praying, la voix dit que on m'a appelé au ministère de prophète. The voice said that they called me to the ministry of a prophet. Le pasteur m'a regardé. The pastor looked at me. Ah bon? Ah bon? Faut laisser ça là. Leave this. Faut laisser ça là. Leave this. Mais vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que dans l'église où j'étais formé. Because in the church where I've been trained. Pas ministère de prophète. There's no ministry of prophets. There's no prophetic ministry. Donc moi? So me? Je suis dans le ministère. I'm in the ministry où il n'y a pas de prophète. Where there is no prophet. Dieu un moment me dit. God one time tells me. Voici certains événements dans l'église. This is certain events in the church. Paul, speak. Oh, si je savais. If I knew it. Le prophète souffrait. Prophet suffering. Si je savais. If I knew it. J'ai commencé à dénoncer les choses. I started to bring out things. Ma persécution a commencé par le pasteur. My persecution started from the pastors. Par le pasteur. By the pastor. J'ai souffert dans la main des gens. I suffered in the house of, in the hands of men. Ma bouche que je prends pour parler là. The mouth that I used to speak. On va la fermer ici. They want to shut it. C'est là que j'ai compris. That's where I understood it. Que quand Dieu t'appelle à ce ministère. When God called you to this ministry. Bien-aimé. Brethren. Tu prépares. You prepare. Viens ta ceinture. You prepare properly your belt. Il y a des choses que j'ai eu à dire. There are things that I've said. Même à cet homme. Donc je parle du pasteur. Even this, to this pastor I'm talking about. C'est arrivé. Came to pass. C'est arrivé. Came to pass. Tout le monde est au courant de cette histoire. Everybody knows about this story. Pour ceux qui sont de cette église. For those who are from this church. Bien-aimés. Brethren. L'onction. The anointing. Par la corne. By the horn. Est différente. Is different. De la fiole. From the vial. Si tu as été le choix des hommes. If you are the choice of men. Comme les renouveaux charismatiques. Like this renew charismatic renew. Quand ils se retrouvent. From Catholic, you know. On voit que toi tu es vraiment bien zélé. When they see you, when they meet each other, they say, oh, you are so sick, you are zealous. On voit que toi tu parles bien. We know that you speak good. Toi tu seras notre berger maintenant. You're going to be our shepherd. On va faire votation. We're going to do the vote. C'est comme ça qu'on sert Dieu. This is the way we serve God. Par votation. By vote. Comme ce que les gens font pour choisir leur pape. Like people do to elect their pope. Si c'est seulement ça. If this is the way. C'est que nous tous on peut attraper Bible, comme aller parler. All of us can hold the Bible and go and speak. C'est pas comme ça. It's not the way. Tu dois être le choix de Dieu. You have to be the choice of God. Tu es le choix de Dieu. The choice of God. Les données changent. And the data will change. Dieu me fait en sorte. God will do. Que tout le monde reconnaît. So that everybody will recognize. Voilà pourquoi quand Goliath est tombé. That is why when Goliath fell. Les femmes disent. Saül a tué ses mille. Saul killed thousands. Et David c'est 10,000. And David is 10,000. La différence. The difference. Entre l'onction qui vient de la corne. Between the anointing from the horn. C'est que toi tu tues 10,000. Because you get 10,000. Mais pour la fiole, toi tu fais 10,000. You can only get 10,000. Écoutez-moi très bien. Let me tell you. Je veux que ce soit. I want this evening. Tu expérimentes l'onction de la corne. You experiment the anointing of the horn. Mais quand c'est l'onction de la corne. When is the anointing of the horn? L'approbation de Dieu est sur ta vie. The approbation of God is upon your life. Tu n'es plus la même personne. You no longer the same person. Mais je vais vous dire quelque chose. Brethren, let me tell you something. Quand tu as l'onction de la corne. When you have the anointing of the horn. Ta marche chrétienne diffère. Your Christian walk is becomes different. Parce que tu commences à expérimenter la puissance de Dieu. Because you come to experience the power of God. Vous savez, Saül. You know Saul. Quand on a fini de lui parler. When they finished to speak to him. On lui a dit va.
They said to him, go. Il y a des prophètes là-bas. There are prophets there. Quand tu vas aller là-bas, when you go there, et que tu seras avec eux, and you will be with them, tu seras, l'esprit de Dieu va descendre sur toi et tu vas commencer à prophétiser. The spirit of God will fall on you and you will start to. Donc écoutez-moi très bien. No, listen to me carefully. Il a fallu qu'il soit au milieu de plein de prophètes pour qu'il commence à prophétiser. For him, he has to be in the midst of a lot of prophets to start. Est-ce que vous comprenez bien? Are you getting right? Mais pour David, but for David, il n'avait pas besoin d'être au milieu de plein de prophètes. He didn't need to be in the midst of a lot of. Saül seulement. Saul only. Bah non, Samuel. Samuel finit de le oindre. Only start to anoint him. Et l'Esprit de Dieu s'est emparé de lui. And the Spirit of God just come upon him. La différence. That's the difference. D'autres ont besoin d'être au milieu de plein d'autres. Many some has to be in the midst of a lot of force. God to give them strength. Mais quand tu es pas à la colle, but when it's by the home, tu peux être seul. You can be one. Mais tu n'es pas seul. But you are not alone. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Are you donc, listening? La différence. The difference. Ce que Dieu choisit, that God choose des hommes, men et des femmes, and women, sur lequel il veut déposer un dépôt, where he wants to deposit a deposit, et quand c'est comme ça, to drop a deposit, quand tu es le choix de Dieu, and when you are the choice of God, tu ne peux que réussir, you can only be successful, dans le nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus. C'est quoi tu veux? What do you want? Fiole, vile, ou corne, or horn? Personne n'a dit fiole. No one will say vile. Vile fuel, ça tue. Vile, c'est bouteille, bottle. Bouteille qu'on cache dans la pierre. Bottle that you can break. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui disait. That is what there's a man of God says. Si moi je dois anointer quelqu'un. If me, I have to anoint somebody. Ça, I will use a bottle. Parce que si je prends avec horn. Because if I use horn, I can never break it anymore. Mais quand c'est une bouteille. But when it is with a bottle, peut casser. I can break it. Voilà Father of glory, Dieu éternel. God eternal. J'ai prié dans le nom précieux de Jésus. I prayed in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. Étends ta main. Extend your hands. Ce soir. Tonight. Sur tous les choix. On every choice. Sur tous les choix. On every choice. Des hommes et des femmes. Of men and women. Sur lesquels tu as mis ton sceau. Where you put your seal, le choix, the choice, le choix, the choice, le choix, the choice, aujourd'hui, today, viens confirmer le choix, come and confirm the choice, viens confirmer le choix, come and confirm the choice, viens confirmer le choix, come and confirm the choice, viens confirmer le choix, come and confirm the choice, ta puissance est en mouvement. Your power is in movement. Ton esprit est parmi nous. Your spirit is in the midst of us. Viens confirmer le choix. Come and confirm the choice. Le choix. The choice. Le choix. The choice. Le choix. The choice. Comme David. As David. Tu avais ton choix. That was your choice. Aujourd'hui. Today. Viens confirmer le choix. Come and confirm your choice. Le choix. The choice. Le choix. The choice. Le choix. Your choice. Le choix. The choice. Sur la vie. Upon the life. De tous ceux. Of everyone. Que tu as choisi. That you have chosen. Merci, thank you, Jesus. Pendant que je suis en train de parler, while I'm speaking, je suis en train de voir une ceinture. I can see a belt autour des reins d'une personne. Around the hip of somebody. Une ceinture. A belt. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Something is happening. It's going to happen in your life. Une ceinture. A belt. Une ceinture. A belt. Une ceinture. A belt. Une ceinture. A belt. Tu connais le symbole de la ceinture. You know the symbol of belt. Tu connais le symbole de la ceinture. You know the symbol of belt. Une ceinture. A belt. Sur toi. On you. Une ceinture. A belt. Sur toi. On you. Dieu t'appelle. God is calling you. Pour que tu parles dans toute la vérité. So that you speak in all the truth. Sans détour. Without turning around. 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 Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God. Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God. L'esprit de Dieu se saisit de toi. The spirit of God is seizing you now. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Maintenant voici l'esprit de Dieu pour toi. Now this is the spirit of God for you. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God. Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God.
passe quelque chose dans ta Something vie. Is happening in your life. La ceinture. The belt. Et je vois comme si la ceinture commence à être serrée. And I can see that the belt is just tightening up. Dieu te sait. God is tightening you up. Il te sait. He's tightening the belt. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oui, je suis en train de voir. Yes, I can see. Les chaussures d'une personne. The shoes of somebody. Et je vois dans les sandales de cette personne. And I can see in the shoes of that person. Des sandales dorées. The golden shoes. Des sandales dorées. The golden sandals. Des sandales dorées. The golden sandals. Des sandales dorées. The golden sandals. Il y a quelque chose pour toi. There is something for you. Dieu dit, je dois t'envoyer. God said, I have to send you. Je dois t'envoyer. 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 I have to send you. Et je vois. And I can see. Nation. Nations. Nation. Nations. Nation. Nations. Tu dois être envoyé dans les nations. You have to be sent into the nations. Dieu veut t'envoyer pour annoncer l'évangile. God wants to send you to spread the gospel. Dans les nations. In the nations. Dans les nations. In the nations. Voici les sandales dorées. This is the golden sandals. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Va commencer à agir dans ta vie. It's going to act in your life. Agir dans ta vie. It's going to act in your life. Agir dans ta vie. Act in your life. Jésus. Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Je suis en train de voir dans mon esprit. I can see my spirit. On est en train de souffler sur quelqu'un en ce moment. They start to blow on somebody right now. On souffle sur toi. They're blowing on you. On souffle sur toi. They're blowing on you. Ce souffle. This wind est le souffle de la vie. Is the wind of life. Dieu te communique en même temps une grâce. God is communicating you a grace. Il est en train de communiquer une grâce. He's trying to communicate you a grace. Il est en train de communiquer une grâce. A grace. Et je suis en train de voir. And I can see. Prophétie. Prophecy. 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 Le souffle qui descend sur toi. The wind that comes on you. Va déclencher la prophétie. Will open the prophecy. Va déclencher la prophétie. Will open the prophecy. La prophétie. The prophecy. Est libérée sur toi. Is liberated on you. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. The prophecy is released on you. Et ça continue. And it's continuing. Je vois comme le on souffle sur quelqu'un. Blowing on somebody. Blowing on somebody. C'est dans mon esprit. Is in my spirit. On souffle sur cette personne. They're blowing on this person. La prophétie. The prophecy. La prophétie. The prophecy. La prophétie. The prophecy. L'esprit de Dieu va se saisir de the toi. The spirit of God is going to seize you. Se saisir de toi. To seize you. Parce que Dieu a un message. Because God has a message. La prophétie. The prophecy. Est en train de se mettre en place. Is been put it in place. Dieu est en train de souffler en toi. God is blowing in you. Le message commence the à monter. Message start to growing up. Le message commence à monter. It start to coming up. Le message commence à monter. The message start to coming up. Le message commence à monter. The message start to coming up. Oh, fais attention. Oh, because there is something that's going to happen. Ça commence. It started. Je vois dans mon esprit. I can see my spirit. On souffle. They're blowing. On souffle. They're blowing. On souffle sur toi. The blowing on you. L'esprit de la prophétie commence. The spirit of the prophecy started. L'esprit de la prophétie commence. The spirit of the prophecy started. L'esprit de la prophétie commence. The spirit of prophecy started. Dieu est en train de déverser une onction maintenant particulière God en ce lieu. God is pouring out a special anointing on this place. Il est en train de souffler un souffle nouveau. He's blowing a new breath. Il est en train d'apporter un souffle nouveau. A new is blowing a new. L'esprit de la prophétie va commencer à se mettre en place. The spirit of the prophecy start to be put. L'esprit de la prophétie va commencer à se mettre en place. The spirit of prophecy start to be. L'esprit de la prophétie va commencer à se mettre en place. The spirit of prophecy is taking place. Et tous ceux qui ont la prophétie. All that have the prophecy. L'esprit de Dieu va se saisir. The spirit of God going to seize. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. This is the spirit of God. This is the spirit of God. This is the spirit of God. Commence. That started. There is souffle. There is a wind. Un souffle. There is a wind in this place. Un souffle. There is a wind. Et je vois la prophétie.
prophecy. And I can see prophecy. La prophétie. A prophecy. Tous ceux qui sont. Everybody that is. Le choix de Dieu. The choice of God. La prophétie est dans la vie. The prophecy is in the life. La prophétie se manifeste maintenant. Prophecy now manifests. Parce que Dieu envoie un souffle. Because God is bringing. Il y a un message. There's a message. Il y a un message. There's a message. Il y a un message. Que Dieu veut donner à l'église. God wants to give it to the church. Thank you, Holy Spirit of God. Quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un souffle. Dieu est en train de souffler. God is blowing. Dieu est en train de souffler. God is blowing. Dieu est en train de souffler. God is blowing. L'Esprit de Dieu va commencer à se saisir. The Spirit of God is going to seize. D'une personne à une autre. From one to one. L'onction a commencé. The anointing started. Dieu a un message. God has a message. God. Touché. Touch. Touché. Touch. Touché. Touch. Vous allez tous emballés par la puissance de l'Esprit. You will all be wrapped by the power of the Spirit. Parce qu'il y a un souffle. Because there is a wind. Sur vous. On you. 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 La puissance de l'Esprit est à l'œuvre. The power of the Spirit is at work. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Tous les choix de Dieu. All the choices of God. Maintenant saisis-toi d'eux. Now feel, seize them. Saisis-toi d'eux. Seize them. Tous les choix. All the choices. 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 Maintenant. Now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant. Now. Tous les choix. All the choices. 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 Évangéliste. Evangelist. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. This is the Spirit of God. Prophétesse. Prophétesse. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. Voici l'Esprit de Dieu. Apôtre. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. 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 Intercesseur. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. Intercesseur. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. Jésus. 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 Jésus, Jésus, voici l'Esprit de Dieu pour toi. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. L'onction commence en œuvre. L'onction commence en œuvre. Tu es le choix de Dieu. Tu ne peux pas échapper. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God. Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God. Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God. L'Esprit de Dieu. The Spirit of God. Je saisis de toi. Receive you. Je saisis de toi. Receive you. Il débouche tes oreilles. He open your ears. Il débouche tes oreilles. Jésus. Jesus. Merci Saint-Esprit. Jesus. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. J'ai le choix de Dieu. You are the choice of God. Je suis en train de voir dans mon esprit. I can see in my spirit. Il est en train de souffler. He's blowing. 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 Sur une femme. On one woman. Sur une femme. On a woman. Et il me dit intercesseur. And she's intercesseuse. Intercesseuse. Il est en train de souffler sur. He's blowing on you. Il est en train de souffler sur. He's blowing on you. There's a particular anointing. Un renouveau. A new. Dieu commence son œuvre. God start his work. Il est en train de te oindre. Il est en train de te oindre. He's anointing you. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Le souci de nous. Thank you because you very taken care of us. Merci parce que tu nous fais du bien. Because you make us good. Merci pour cette Pentecôte. Thank you for this Pentecost. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour les révélations. Thank you for the revelation. Merci parce que nous sommes ton choix. Because you, we are your choice. Merci Jésus-Christ. Thank you Jesus Christ of Nazareth. Ensemble, élevons la voix et prions. All together, let's pray. Prions ensemble. Let's pray dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Seigneur mon Dieu, mon Lord Jesus Christ, we bless you. We glorify your name. We magnify your name. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Merci
pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour tout ce que tu as accompli. For everything you have fulfilled. Tu es venu équiper ton église. You equip your church. Tu es venu bénir ton église. You came to bless your church. Béni sois-tu. Blessed be your name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Notre maman. Mon maman. As-tu vu quelque chose? Did you see anything? I was seeing the light that was completely covering the hole. And he said, eh? And they said, open your eyes and see. Glory to God. Tu sais ce que ça veut dire? Do you know what does it mean? Ouvre tes yeux et regarde. Open your eyes and see. Dieu veut te montrer la lumière. God wants to show you the light. En même temps, il va te montrer les choses qui sont cachées. And at the same time, he will show you also hidden things. Parce que la lumière éclaire tout ce qui est caché. Because the light always enlightens everything that is hidden. Ouvre tes yeux. That's why the Lord says, open your eyes. Il va commencer à te montrer des choses. He's going to start showing you things. Qui se passe dans cette nation. That happened in this nation. Donc, faut te préparer. So, be prepared. Quand Dieu va commencer à te montrer des choses, when God starts showing you things, appelle-moi. Call me. On va partager ça ensemble. We're going to share together. Et on va prier. And we will pray. Parce que là, because now, Dieu est en train d'amener une nouvelle dimension. God is taking you to another dimension. Tu pries beaucoup pour la Côte d'Ivoire. You pray a lot for the Ivory Coast. Maintenant, Dieu veut que tu pries aussi beaucoup. Now, God wants you to pray for this nation as well. Même si tu le fais, mais maintenant il y a un, c'est-à-dire ça c'est un fardeau même que Dieu te donne. Now this is a burden that God is giving you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia! Gloire à Dieu! Glory to God! Gloire à Dieu! Glory to God! Oh, il est bon d'être dans la présence de Dieu. It is good to be in the presence of God. Il est fidèle. And he's faithful. Il est toujours au rendez-vous. He's always at the spot. Vous avez pu constater. You can notice chaque rendez-vous divin, every appointment, divine appointment. Amen. Et je crois personnellement, and I believe personally, que dans cette église, tout le monde est le choix de Dieu. In this church, everybody is the choice of God. Donc même quand tu n'es pas le choix de Dieu, quand tu arrives, dans le même temps, Dieu t'attrape. If you are not the choice of God, when you come here, God just sees. Et je vois que tu es en train de chercher à bâtir. And I can see that God starts to build an army. Dieu veut faire des grandes choses. He wants to do great things. Et donc nous préparons-nous. And we have to be prepared. Disposons-nous. And be disposed. Pour que ce que Dieu a décidé de faire, so that God decided to do, il l'accomplira. So he will accomplish. Je ne sais pas que nous sommes en train de préparer les. Let not. On est en train de préparer notre couronne. We are preparing our crowns. La vérité est que the truth is, Jésus va revenir. Jesus is coming back. Mais le jour qu'on sera avec lui, but the day we will be with him, j'aimerais, I will, aussi recevoir ma couronne. Like to receive my crown. Donc on travaille pour ça. So we are working for that. Donc si tu es le sacrifice du Seigneur, so if you are the sacrifice of the Lord, sacrifie-toi pour ce l'œuvre qu'il a fait. Sacrifice for the work he has called you for. Et tu vas voir le résultat. And you will see the result. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un. Tu es le choix de Dieu. You are the choice of God. Hallelujah. Hallelujah. Tu es le choix de Dieu. Hallelujah. You are the choice of God.